Wow! Hey, ça fait plusieurs mois déjà que j'ai terminé la Loire à vélo et je n'ai toujours pas fait la vidéo. Donc, comme on est bloqué en ce moment chez nous, eh bien, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo et puis pour la diffuser. J'ai fait ce périple en juillet 2019. Aujourd'hui, je vous le diffuse. Alors, j'ai fait quelques détours pour rencontrer quelques amis, Joël, Anne-Sophie et Nelly. Merci à elle de m'avoir restauré, c'était plutôt sympa. Merci à Mickaël de m'avoir accompagné aussi sur cette dernière étape, c'était plutôt agréable. Alors j'ai pas toujours filmé parce que la fatigue étant là, c'était plus difficile. Il y a des moments du parcours que je connaissais, donc c'était moins intéressant pour moi. C'est une erreur certainement. Et puis j'ai pris beaucoup de photos. Alors vous verrez, j'ai mixé photos, vidéos. Peut-être que je ferai différemment l'été prochain lors de ma prochaine randonnée. Alors à bientôt et dites-moi ce que vous pensez de ce film. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Et je vous mets dans la description tous les lieux où je suis passé. À bientôt! Et voilà Nevers, c'est le départ de la Loire à vélo, donc je vais essayer de trouver l'endroit, le point zéro pour partir, donc à Cuffy, à quelques kilomètres de là. Je suis arrivé, j'ai fait le marché. Il est 11h30, samedi 13 juillet, c'est parti! Hello! Alors, deuxième jour de la Loire à vélo. Je me suis un peu perdu ce matin. J'ai pris un chemin que j'aurais pas dû prendre. Voilà, c'est dimanche, donc il y a les cyclistes. J'ai pris un chemin, j'ai failli tomber d'ailleurs. Voilà, c'était de la terre. Et ce matin, il y a beaucoup de vent de face, donc c'est un peu fatigant.
Mais bon, c'est sympa, c'est champêtre. On a quitté un peu la Loire encore là une fois, donc peut-être qu'on va la retrouver plus tard. Voilà, donc voici le paysage. Enfin la Loire, ça fait au moins 20 voire 30 km que je ne l'avais pas vu. Elle me manquait, et là, surtout avec ce vent qui n'arrête pas de souffler. On m'avait dit, que c'était dans l'autre sens qu'il fallait le faire pour avoir le vent dans le dos. Et ben, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un vent de face depuis ce matin, c'est épuisant, mais quand on retrouve la Loire et puis qu'on voit des paysages comme ça, bah, top. Voilà, soirée au calme, près de la Loire qui est là-bas. Je me suis installé tranquille, les soirées sont très calmes, j'espère que ça va continuer, et puis les petites balades du soir et ben, me permettent de faire des photos, j'espère qu'elles seront pas mal. La Loire est juste là-bas, j'en reviens juste. Voilà la Loire à vélo, troisième jour, donc direction Orléans. C'est plutôt calme là ce matin. J'ai pris le temps de prendre un bon petit café, de visiter. Il va falloir rouler quand même un peu parce qu'il y a sûrement 100 km, 80-100 km suivant la forme à faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti pour la journée, une grosse journée. Voilà, c'est plutôt pas mal comme endroit pour pique-niquer, une pause 13h, 42 km ce matin, donc c'est pas mal. Moins de vent, donc le soleil là au calme, c'est bien.
suis un peu perdu. Voilà, nous sommes dans le parc de Chambord. Bon alors jour 4 déjà, là je vais faire l'impasse sur Blois parce que vous voyez c'est hyper loin là-bas, il faut monter et là franchement j'ai pas le courage. Donc je préfère retrouver la Loire rapidement, à plus tard. À peine quitté Amboise, et ben on est en Touraine, voilà. Les habitations ou les anciennes habitations troglodytiques.
voilà, j'ai une nuit à la maison, ça fait du bien. Difficile de repartir, mais je pensais pas que les jambes allaient être en forme comme ça. Donc impeccable, j'avais plutôt mal aux jambes hier et donc c'est reparti. Donc voilà Angers, vous verrez aussi quelques photos. Voilà ma ville, c'est vachement sympa entre monuments et puis nature. Et ici, c'est la Maine. Thank you.